soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elles soient aussi de sel, je pense à remplir leur cervelle. Je suis venu à ce festival-là en tant que spectateur et c'est vrai qu'il y a une super ambiance. Il y a un super public et puis il y a plein d'autres artistes qui sont devenus des amis, donc j'avais l'habitude de venir et bien quand Mathias m'a proposé, c'était en fin d'année dernière, voilà, c'était évident que j'accepterais. C'est pas très loin de chez mes parents, je suis de la Creuse, Martial qui m'accompagne est de la Corrèze, donc c'est une région qu'on adore et je suis très très content. J'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon roman. J'avais même pas vu les étoiles. Dès qu'on se voit un petit peu, voilà, on essaye de la chanter ensemble le plus souvent possible et je suis super content parce que j'aime bien les duos déjà et puis j'adore Clio et je suis content qu'on la fasse ce soir en plus avec l'orchestre et tout derrière, ça va être top. Et voilà, Étienne il arrange vachement bien les chansons, il a toujours la bonne idée pour le bon instrument et ça va être cool, ouais. Je stresse un peu du coup quand même parce que je l'ai jamais fait, mais voilà, ça va être top d'avoir pourvu avec les cordes un petit peu comme sur l'album, avec des arrangements un peu plus produits, ça va être top. Il y a un côté hyper familial, un côté proche aussi entre le public et les gens, et puis les gens qui sont programmés viennent pas que pour leur concert, ils viennent pour voir les autres concerts pendant une semaine, on est logé dans un gîte, et puis on a envie de passer du temps avec les autres, c'est une espèce de colonie de vacances d'artistes, et c'est vrai qu'on voit ça nulle part ailleurs, donc... C'est original et puis ça permet voilà, de se rapprocher aussi et puis de passer des moments chouettes. Soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins, comme il est touchant d'Aroussin. Voilà, on a une formule un peu épurée tous les deux, mais on n'est pas contre l'idée d'avoir une production un peu plus musicale derrière, en tout cas, sur l'album évidemment. Et l'année prochaine, a priori, on partira avec plus de musiciens. Mais là, du coup, ouais, c'est une chance quoi, parce que l'année prochaine on n'aura pas de violon, violoncelle et tout ça, donc L'album il était d'abord sur un site participatif, c'est Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang au départ, il y a 2 ans maintenant. Et il avait déjà été enregistré une première fois, est-ce qu'il y a d'autres versions de ces chansons? Alors si, à un moment donné j'avais enregistré avec un autre réalisateur mais on n'était pas hyper content en fait de ce qu'on avait fait, donc on a tout repris à zéro. Et on a refait du coup avec un autre réal, donc celui de l'album, Robin Leduc, et on avait fait 5 titres. Et ça c'était avant qu'on fasse la première partie de Renault et tout ça. Et une fois qu'on a signé avec Mercury, en fait on a gardé les titres tels quels. On a continué exactement avec la même équipe, le même réal, les mêmes musiciens. Et voilà, on a juste fini l'album et on a fait 8 titres en plus. Et l'album a été comme ça, donc en fait voilà, on a gardé la liberté du départ, sauf que voilà, on avait un petit peu plus de moyens, même technique, etc. Et puis un petit peu plus de monde qui bosse là-dessus. Mais, La dernière question, une petite question qui fâche peut-être, mais tu vas m'en aller parler, après je t'en parlerai. La comparaison avec Renaud, ça te saoule? Non, ça me saoule pas. Après, au départ, ça me flatte plus qu'autre chose parce que voilà, c'est un artiste que j'admire beaucoup. C'est un artiste immense pour la chanson française aujourd'hui, quoi. C'est un des derniers finalement grands qui existe encore, qui est encore vivant. Et à la base, ça me fait très très plaisir quand même parce qu'il y a pire comme comparaison. Après, c'est sûr que voilà, je comprends aussi les médias qui ont besoin de mettre des étiquettes, de mettre les gens un peu dans les cases, surtout sur un premier album, un mec qui sort de un peu de n'importe où. Les gens ont besoin voilà, de se référencer, mais j'imagine que ça s'estompera avec le temps, au fil des albums, j'espère, parce que j'espère avoir ma propre personnalité, mon univers, et ça finira par s'arrêter. Ça, j'en suis sûr.